attendez qu'on y a, c'est un ministère, jeune garçon, un jeune chrétien, donc qui dit le même bon Dieu, donc c'est lui-même qui prend le petit message pour nous dans le concours Apostolos TV, première édition. Donc, applaudis, texte, pour le monde qu'on est, pour être capable de participer dans le message, pour être capable de message qui. Moi, salue chaque ami qui a regardé la vidéo ça, Haïti ou à l'étranger. Et moi, profite de l'occasion ça tout pour me saluer apôtre docteur Yves Maubert. Et dans la vidéo ça, moi, j'ai apporté un message pour nous qui est pour thème l'unité de la foi. Verset que nous allons considérer ensemble, nous avons joué dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 14. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. À chaque fois, Dieu lui-même l'a utilisé en monde, ou du moins l'a utilisé en peuple, il retire l'environnement qu'il a pour le mettre dans l'autre environnement. Avant que mon Dieu lui-même ait été utilisé, Abraham, il était dit quitter le pays, quitter la patrie. Il était retiré dans l'environnement qu'il était pour le mettre dans l'autre environnement. Ces mêmes gens, avant que mon Dieu lui-même ait utilisé le peuple d'Israël, avant qu'il ait servi avec le peuple d'Israël, il était retiré dans l'environnement qu'il était, à savoir en Égypte, pour être capable de conduire vers Canaan. Bien aimé, ces mêmes gens dans la Nouvelle Alliance. Mon Dieu pas mettre nous dans un environnement qui est naturel, mais le mettre nous dans un environnement qui est spirituel. Côté de retirer nous dans le monde pour le mettre nous en Christ. Et dans l'environnement, nous avons tout héritage que mon Dieu lui-même était réservé pour nous. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Elle avait dit, bénédictions ça, ils sont cachés dans Christ. Mais ça qui me tire attention, chaque monde qui est entré dans l'environnement, qui est en Christ, ne peut pas entrer pour vous-même, mais entrer pour faire l'autre monde entrer. C'est peut-être ça. Mon Dieu lui-même lui établit en un environnement ça, cinq dons ministériels, à savoir apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Côté apôtre lui-même lui a un rôle pour implanter les églises, pour poser fondement pendant que prophète lui-même l'a édifié l'église en donnant la pensée de Dieu, la vision de Dieu, les oracles de Dieu. Et évangéliste lui-même lui a un rôle pour la chercher ça qui dehors et ramener dans les corps de Christ. Et parce que lui-même, en tant qu'un berger, il y a un rôle pour veiller sur les fidèles. Il y a un rôle pour administrer l'église locale. Et là, nous parlons des docteurs, c'est lui-même qui a cultivé le Seigneur par l'enseignement qu'il a bâti, par la doctrine de Christ qu'il a livré. Et frères et sœurs, cinq dons ministériels, c'est pour perfectionnement des saints. C'est pour rendre l'église, le corps de Christ, arriver à la statue parfaite de Jésus-Christ. Mais nous tombons dans un piège. Quand nous plus en travail pour l'église locale, mais nous négligeons le corps de Christ. Chaque petit groupe a fait par eux. Et chaque église était dans le pouvoir par eux. Quand le problème, ça n'a pas dit même pas rien. Au lieu pour telle église, ça a été telle église. Nous devons vivre qu'il est là tombé. Au lieu de nous prêcher l'évangile, au lieu de nous prêcher la parole de Dieu, nous devons critiquer notre église. Nous devons lapider notre église comme si c'est l'église parole qui est parfaite. C'est comme si nous ne jouons pas l'église pour nous critiquer, si nous ne jouons pas l'homme de Dieu pour nous critiquer, le message nous va bien puissance. Si nous ne jouons pas l'église pour nous lapider, si nous ne jouons pas le monde pour nous critiquer, nous n'avons pas de popularité. Nous plus à travail
nous puissions penser pour l'église par nous, la pensée pour l'église locale par nous, mais nous refuser de penser avec le corps de Christ. Côté tel apôtre a tiré sur tel apôtre, côté tel pasteur a critiqué tel pasteur, tel évangéliste a critiqué tel évangéliste. M'a dit au bien-aimé, bon Dieu pas établi, bon Dieu pas brûlé pour te critiquer personne, bon Dieu pas brûlé dans le ministère pour te lapider, pour te critiquer quoi que ce soit. Mais il te brûlé pour prêcher l'évangile, il te brûlé pour annoncer la bonne nouvelle, mais pas brûlé pour critiquer personne. Nous venons par certaines portes pour mettre des divisions dans les temps. Parce que nous, on a critiqué l'autre. Nous, on a dit l'autre pas fait bien, mais c'est nous-mêmes qui fait bien. Nous avons pensé avec l'église par nous. Nous avons pensé avec l'église locale par nous. Mais nous refusons de penser avec le corps de Christ. Et m'a dit, quel que soit un apôtre, quel que soit un pasteur, et quel que soit un évangéliste, quel que soit son auteur, m'a dit, il m'a beau assurer ça. De vous payer pour y aller dans le secret, pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit a fini par onctionner le message, il a fini par mettre onction dans le message. Et tout ça qui peut dresser, a dressé. Tout ça qui peut corriger, a corrigé. Avec parole, le Saint-Esprit a fini par mettre onction là-dedans. Il a fini par changer tout le monde qui a fait ça de mal. De vous aussi, pas pour critiquer l'autre. Devoir, ce n'est pas pour lapider l'autre, mais devoir, c'est pour prêcher l'évangile, prêcher la vérité. Nous avons cette opportunité pour mettre des divisions dans le temps. Il est temps pour nous suspendre de critiquer notre église. Il est pour nous suspendre de critiquer tel pasteur parce qu'il fait un travail qui n'est pas bon. Il est le temps pour nous revenir à la parole. Nous avons un frère qui est tombé. Nous avons l'église. Mal marché. C'est pas critiquer pour nous critiquer. C'est pas lapider pour nous lapider. Mais c'est prier pour nous prier pour lui. Parce que c'est difficile pour critiquer un monde qui va prier pour lui. C'est difficile pour critiquer un monde qui va prier pour lui avec amour. Si toutefois vous avez possibilité pour aider un monde qui est tombé. Parce que ça, apporte ça, évangélise ça. On peut toujours faire, on peut toujours aider nous, mais c'est pas en public pour blâmer non, pour dire mais tel bagage il fait qui pas bon, mais c'est pour aider dans la partie, pour parler avec. Mais si toutefois pas capable, restez dans le silence, priez pour lui dans le secret, parce que tout doit se faire par amour, et nous tous, nous sommes corps de Christ. Si mes gauches m'ont eu un problème, mes doigts m'ont souffert. Si les oreilles m'ont eu un problème, les yeux m'ont souffert aussi. Si les pieds m'ont eu un problème, c'est même qui ont souffert. C'est tout comme qui ont souffert. Nous sommes dans l'église de côté. Fidèle, il y a respect pour pasteur l'église par eux. Mais il n'y a aucun respect pour aucun leader ecclésiastique. Bien aimé, nous travaillons mal. Nous pensons que Dieu dans la joie, les qui nous divisent dans un tel point. Nous pensons que Dieu dans la joie, les qui ont l'église détruite par l'autre. Nous pensons que Dieu dans la joie, les qui ont critiqué l'autre, les qui nous ont lapidé l'autre. Il est temps pour nous revenir à l'unité de la foi. Parce que Dieu n'a pas créé l'église pour nous diviser, mais il a créé l'église pour nous faire une seul, le corps de Christ. Même Satan comprend les qui nous unis, nous avons fait un pile de bagaille. Les mêmes les unis, nous sommes de détruire nous. Les connaît depuis nous avons une union parmi nous. Révélation que la création attend nous, a fini par. Parce que toute la création attend avec la grande désir la révélation des fils de Dieu. Satan connaît depuis l'union régnée parmi nous, n'a fini par régner sur lui-même. C'est pour ça, chercher l'opportunité pour mettre des divisions dans nous-mêmes. Et nous-mêmes encore nous avons l'opportunité ça, pour mettre des divisions dans nos temps. M'a fait appel à toute l'église. M'a fait appel à tout le monde qui fait partie du corps de Christ. Pour nous commencer à unir dans la foi. Pour ne pas laisser l'église pas qui est bon. Mais nous commencer à penser avec le corps de Christ.
de commencer à prier pour l'un l'autre, de ne pas penser avec l'Église par nous seulement, mais de penser avec l'école de Christ, l'unité de la foi chrétienne, de revenir dans l'école de Christ. Pour finir, on dit nous, de nous croire, même si on est tombé, même si on l'Église de Dieu, il va relever encore. Mais il faut que nous toujours prier pour eux. Il faut que nous toujours la prier pour eux. On te dit déjà, c'est difficile pour critiquer les gens qui ont prié pour lui. Et moi, je fais appel à tout le monde qui peut entrer dans l'environnement. Ça. C'est le moment pas où là pour entrer dans l'environnement. Ça, qui c'est en Christ. Il n'y a pas besoin de temps qui ont abandonné tel péché. Il n'y a pas besoin de temps qui est bon pour venir entrer dans l'environnement. Ça, pour accepter Jésus-Christ. Mais venir tel que tu es. Avec tout fardeau, avec tout péché que vous êtes venu. Les mêmes qu'a fait travailler ma mère par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est sans ça qu'a fini par purifier. Notre seul objectif, c'est ressembler à Christ. En nous formant un seul corps, en nous commençant à penser avec le corps de Christ. Merci. Que mon Dieu bénisse. Frère Paul, Ernest, Michel. Mes amis, waouh. Est-ce que tu es béni? Donc, si tu es béni, si tu apprends nos bagailles, ban nous sommes like, ban nous sommes mettez commentaires, partagez. Donc, je suis vraiment content pour la détermination ça, qui jeune ministère ça, yo déterminé pour prêcher l'évangile, yo déterminé. Donc, merci.